Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me rends bien compte dans le retour écran que je suis très très blanche. Je suis désolée, je suis face à la fenêtre, mais je n'ai pas d'autre choix parce que compte tenu de l'heure, alors déjà la luminosité va beaucoup varier je pense. J'ai essayé de compenser cela avec l'allumage d'une petite lumière ici qui me rend d'autant plus blanche. Donc je suis absolument désolée, je ne suis pas malade, ne vous inquiétez pas. Simplement la luminosité n'en fait qu'à sa tête et j'ai beaucoup de mal à lutter contre cela, voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour un avis lecture, comme vous avez dû le voir dans le titre. Cet avis lecture, comme habituellement, il va être assez varié. Je vais vous présenter des graphiques, mais majoritairement des romans. Il y a des choses que j'ai lues cet été parce que je suis un peu en retard sur mes avis lecture. J'ai envie de vous dire comme d'habitude. Et je m'excuse également pour le manque de variété sur la chaîne en ce moment, mais j'ai très peu de temps pour tourner. Je maximise mon temps de lecture et le reste du temps je travaille beaucoup puisque quand on débute dans l'enseignement, le simple fait de créer la substance, la matière avec laquelle on va travailler avec les élèves, ça demande énormément de temps tout simplement. Donc je ne suis pas forcément portée directement sur la caméra. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je vlogue assez peu en ce moment. Je vais essayer de me réapproprier un petit peu la caméra et revenir aussi vers des formats plus spontanés tels que le vlog parce que je trouve que pour parler des lectures c'est nettement mieux. Moi ça m'évite d'avoir des décalages parfois de un mois quand, lorsque je vous présente un titre parce que je ne sais pas m'organiser, clairement. Pourtant j'ai des classeurs, des cahiers, tout ce que vous voulez, mais il y a des moments où, au niveau de mes lectures, il y a des moments où j'ai vraiment du mal à m'organiser. Bref, trêve de blabla, je vous présente tout de suite le premier livre. D'abord, j'ai récemment lu, et pas dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, alors qu'il serait parfaitement allé dans plusieurs catégories. Nous parlons depuis les ténèbres, qui est donc une anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre. C'est publié chez les éditions Goather, ou Goethe, je ne sais pas comment ça se prononce, que je ne connaissais absolument pas. En revanche, j'avais entendu parler de ce titre sur la chaîne des lectures de l'imaginaire, donc je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, qui est une chaîne que j'aime énormément. J'apprécie beaucoup, beaucoup le contenu proposé, la richesse de son vocabulaire, de ses analyses littéraires, je trouve que c'est très intéressant. Et elle avait donc mentionné ce livre. Voilà, j'étais donc très, très intriguée par le fait de le découvrir. Et aussi, il faut dire que bon nombre de nouvelles sont proposées par des autrices que j'affectionne particulièrement et avec lesquelles j'ai déjà eu une affinité de base assez prononcée. Donc par contre je vais être obligée voilà, de vous lire les noms des autrices parce que je ne me rappelle pas de tout. Donc la première nouvelle est d'Aurélie Wellenstein. On a Morgane Cossarieux qui est l'autrice de Toxic Red, je crois, ou Red Toxic, quelque chose comme ça que je vous mettrai ici, qui était paru, me semble-t-il, chez les éditions Naos. J'espère que je ne me trompe pas. Que je n'ai pas lu, mais qui est dans la liste des choses que je dois lire. Je sais qu'elle a également proposé deux titres horrifiques récemment chez. C'était peut-être chez ActuSF, avant la fermeture de la maison d'édition. Je ne sais plus, il faut que je vérifie. J'ai l'impression que vous donnez plein de fausses informations, donc je vais m'arrêter immédiatement. Je vous mettrai tout ici en tout cas. Mais Morgane Cossarieux, elle est connue pour ses titres un petit peu glauques et horrifiques. Donc on a aussi Mickey Papoz, Lizzie Felton, qui est publiée chez les éditions du Chat Noir habituellement. Louise Lebar, qui est donc publiée chez les éditions Noir d'Absinthe et dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, notamment pour Vert de lierre, qui a été un gros coup de cœur il y a plusieurs années. Floriane Soulas qui a écrit Rouille que je n'ai toujours pas lu. Barbara Cordier que je ne connaissais pas. Cécile Guillot qui est l'une des fondatrices des éditions du Chat Noir avec donc Mathieu Guibé. Morgane Stankiewicz qui est la fondatrice de la maison d'édition Nord Absinthe. Estelle Faye que vous connaissez très certainement pour vraiment son travail très prolifique et très qualitatif. Et qui est publié chez bon nombre de maisons d'édition, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, nous avons donc une anthologie, un recueil de nouvelles qui vont majoritairement porter sur des thématiques horrifiques, gothiques et somme toute assez glauques. Les nouvelles sont m'ont plu de façon variée, évidemment, puisqu'on a donc 8, 9 textes, je ne sais plus. Donc évidemment, je ne les ai pas appréciés avec la même intensité. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le récit. La première nouvelle, c'est celle d'Aurélie Wellenstein.
Si vous aimez Aurélie Wallenstein, vous aimerez cette nouvelle. Elle reprend absolument tous les codes et toutes les thématiques chères à l'autrice, notamment l'animalité, le rapport à la nature. Donc de ce côté-là, vous ne serez pas dépaysé. Et on parle aussi de rupture avec la religion dans cette première nouvelle. La deuxième nouvelle, alors c'était laquelle? Je crois que c'était celle de Morgane Cossarieux, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc là, on était sur une nouvelle qui se déroule sur un lac avec deux amis qui ont entendu parler d'une espèce de légende, à savoir que s'ils chassent une sirène, ils obtiendraient l'immortalité. La troisième nouvelle, c'est celle de Mickey Papoz, qui était extrêmement brève, et donc je vais avoir du mal à vous la résumer parce qu'elle fait à peine 4 pages, donc je ne vais pas m'y risquer. Je ne vous dis rien parce que finalement c'est un petit peu le retournement de situation finale, donc je ne vous raconte pas ce dont elle parle. La suivante, c'est celle de Lizzie Felton, donc là on va être dans quelque chose qui va être un petit peu dans un entre-deux, on va dire, où on va parler de la... on va être dans cet entre-deux, vous savez, du fantastique, où on ne sait pas si on est dans la maladie mentale ou dans la si on est dans la psychose ou si on est dans la possession démoniaque. Donc on va avoir cet aspect-là traité. La nouvelle de Louise Le Bar, qui était ma préférée parce que je l'ai trouvée super originale, met en scène... une entité un petit peu particulière qui prend les âmes des êtres humains et qui va se retrouver prise à son propre piège, puisqu'elle va rencontrer ce qu'on appelle une gouleuse, c'est-à-dire une humaine qui s'est fait prendre son âme et qui va vouloir se venger, voilà. Et c'était, franchement, c'était super cool. La suivante, c'est celle de Florian Soulas, que je ne m'attendais absolument pas à voir s'illustrer dans ce registre, puisqu'on est dans de la... je sais pas, j'ignore comment ça s'appelle, de la science-fiction, de la dark science-fiction. La nouvelle était très originale aussi. Je pense que c'était un petit peu un choc, cette nouvelle, c'était pas mal. Ensuite, de Barbara Cordier, on avait quelque chose d'extrêmement classique, je trouve, qui était un petit peu digne d'un roman horrifique pour adolescents, mais que j'ai trouvé très bien, qui met en scène, en gros, une espèce de boutique qui ouvre dans un... Alors c'est pas vraiment un parc d'attractions, c'est plus une foire, donc c'est une boutique de gourmandise dans laquelle vont se jeter tous les collégiens ou lycéens, je ne sais plus, de la ville. Et nous, on va suivre Romane, je crois que ce qu'elle s'appelle... Non, pardon, Romane et Lucille, ce sont ses amis. Nous, on suit Léna, qui est donc absolument choquée de voir que ses amis tombent complètement... Enfin, sont envoûtés par cette boutique. Elle résiste très très bien à cela, ça ne l'intéresse absolument pas. Et petit à petit, on va voir le pouvoir que vont avoir ces friandises sur les habitants de ce village. C'était vraiment très sympa. Ensuite, on a la nouvelle de Cécile Guillot qui est un petit peu compliquée à expliquer, donc je vais m'abstenir parce que j'aurais peur de dire des bêtises, mais il y a toute une dimension psychologique aussi sur le post-trauma et ça parle un petit peu de danse classique aussi, mais je voudrais pas trop rentrer dans les détails parce que j'aurais peur d'être maladroite pour l'exposer clairement. On a ensuite la nouvelle de Morgan Stankiewicz qui aborde un sujet très délicat et très compliqué, puisqu'on parle de pédocriminalité, et c'était vraiment difficile à lire. Je l'ai lu d'une traite parce que la nouvelle est assez brève, mais c'était très très lourd, tant dans le fait qu'on est dans le tutoiement, donc c'est quelque chose de très surprenant, je trouve, dans la narration, mais par contre qui sert complètement le récit dans ce contexte-là. C'est-à-dire que c'est comme si une entité s'adressait directement au pédocriminel qu'on suit. Donc nous, on est vraiment dans l'omniscience, puisqu'on sait tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait. On sait d'avance de quelle façon il va essayer d'agir. Et en fait, ce qui est terrifiant, c'est de voir que finalement, ce personnage qui est absolument atroce ne se confronte jamais à tout ce qui est absolument abject chez lui. C'était vraiment... Cette nouvelle-là, elle était très dure psychologiquement. Et enfin, la dernière, c'est la nouvelle d'Estelle Faye. Et là, on est dans quelque chose
de très bien écrit, parce que c'est vrai que la plupart du temps, je trouve que la plume d'Estelle est très très belle, mais de très mystérieuse. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus. Il y a certaines nouvelles dont je ne peux pas vous parler parce que je ne souhaite pas vous priver de peut-être de la curiosité, la surprise de découvrir certains de ces titres. Mais en tout cas, voilà, sachez que je n'ai pas aimé toutes les nouvelles de la même façon. Elles ne m'ont pas procuré les mêmes émotions, et tant mieux, puisque c'est un petit peu le but d'un recueil de nouvelles. Mais en tout cas, je trouve que la démarche de cette anthologie est superbe, puisque nous n'avons que des femmes. Et comme le dit très bien Estelle Faye dans la présentation de l'ouvrage, on a tendance à penser que le genre horrifique, c'est un genre masculin finalement, puisque les grands noms qu'on connaît, c'est Graham Masterton, c'est Stephen King, c'est Peter Straub, c'est voilà, tout un tas d'auteurs qui sont masculins. On a une vision de l'horreur qui ne peut pas être dépeinte par les femmes, et en fait toutes ces autrices vont complètement briser ces codes-là et proposer des récits qui sont sans concession et qui sont aussi violents que le seraient ceux des hommes. Et voilà, je trouve que c'est extrêmement bien fait, qu'en même temps on a cette patte hyper sensible de certaines autrices que je connaissais déjà de par ma lecture d'autres titres que j'avais pu faire en amont. Bref, donc c'est vraiment un recueil que je trouve très très intéressant, même si, voilà, encore une fois, évidemment, je n'ai pas aimé tous les titres de la même façon. Alors, c'est une petite maison d'édition, donc il y a quelques coquilles qui demeurent lorsque vous en faites la lecture. Notamment, il y a pas mal de confusion entre le EET et le EEST. J'en ai vu deux ou trois. Et j'ai vu aussi un ou deux mots oubliés. Bref, il y a quelques coquilles, mais bon, voilà, rien, rien d'insurmontable. Et puis je trouve que c'est bien de soutenir des maisons d'édition comme ça. J'ai eu la chance de tomber dessus à la Fnac, et c'était complètement inopiné, puisque je pensais vraiment devoir le commander, et donc je n'étais pas dans l'urgence, parce que lorsque je ne peux pas me procurer les ouvrages directement, physiquement, j'ai toujours du mal à passer par la démarche de commander, vu que maintenant je ne souhaite plus passer par Amazon, à moins que vraiment je n'ai pas le choix et qu'il me faille quelque chose extrêmement urgemment. J'essaye de ne pas passer par Amazon et de passer par donc la librairie de proximité que je peux avoir sur place. Voilà, je mets du temps en fait à commander, et là j'ai eu la chance de tomber dessus. Donc voilà, la Fnac, vraiment, dans la Fnac, en plus d'une ville qui n'est pas si grande que ça, donc j'étais assez surprise parce que je ne l'avais jamais vu jusque-là, et que quand même il est sorti maintenant il y a quelques semaines, je ne saurais pas dire exactement combien, mais quelques semaines. Et voilà, donc très heureuse d'être tombée dessus. Bref, j'arrête de faire du blabla et je poursuis cet update, sinon on n'en finira pas. Un livre que j'ai lu il y a un petit moment, et je ne parviens pas à me souvenir de si je vous en ai parlé en vlog ou pas, mais de toute façon, si je l'ai fait, il mérite de figurer dans un avis lecture. Je vous parle de Et dans nos cœurs un incendie d'Elodie Chan, publié chez Sarbacane. Ce roman, je l'ai acheté complètement au hasard. Lorsque je déambulais dans Grenoble cet été, on était parti un petit peu se promener en Savoie, et on a passé une journée sur Grenoble. Nous nous sommes rendus à Gibert-Joseph, et à Gibert-Joseph, je suis tombée sur ce titre qui était d'occasion et qui était très peu onéreux. Je pense que je ne l'aurais pas acheté neuf simplement parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver à l'intérieur. Aujourd'hui, je peux vous le dire directement, Elodie Chan vient de sortir un tout nouveau roman, toujours chez les éditions Sarbacane, et je vais aller très rapidement le commander, donc dans ma librairie. J'ai adoré ce titre. Je trouve que la plume d'Elodie Chan est d'une grande, grande puissance, qu'elle propose quelque chose de complètement différent de ce qui peut être fait en young adulte. Et si je dois le rapprocher de quelque chose, ce serait certainement des univers de Joan Richoux ou de Séverine Vidal, c'est-à-dire qu'on rencontre des personnages extrêmement sensibles, qui ont des personnalités avec des reliefs en montagne russe, qui sont vraiment très complexes dans leur prise de décision, dans leur façon d'agir, dans leur façon d'être, qui traversent des moments très difficiles et qui ont une construction identitaire qui prend du temps, qui est demandante, mais qui en même temps est déjà bien engagée. Bon, il y a toute cette dimension-là qui déjà est superbe, je trouve. On aborde ici la thématique aussi de l'émergence du sentiment amoureux, mais du sentiment amoureux qui n'apparaît pas comme une
fusion et comme un coup de foudre immédiat, mais plus comme quelque chose qui est saupoudré petit à petit et qui se construit sur la confiance, la fidélité, les expériences qu'on va pouvoir vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très très rare en young adulte, puisque lorsqu'on est dans quelque chose qui s'apparente un peu plus à de la romance, on bascule très très vite dans des clichés avec des attachements qui sont soudains ou avec justement des ennemis. De toute façon, aujourd'hui, on parle de trope d'ailleurs la plupart du temps. Pour décrire ces stéréotypes, là on n'est pas du tout dans du stéréotype, on est dans des relations qui se construisent de façon, je dirais, un peu plus naturelle et surtout de façon cohérente avec la psychologie des personnages qui nous sont présentés. Ça, c'est pour la construction du récit de façon générale. Ce qui vraiment m'a sidérée, c'est la plume d'Elodie Chan et les jeux qu'elle parvient à faire avec la langue. Elle arrive à jongler, jouer avec les mots d'une façon remarquable. Et je pense vraiment que si vous aimez les ouvrages bien écrits, que ce soit en littérature plus contemporaine, en littérature classique ou en young adult, vous trouverez votre compte avec ce roman. Alors bien évidemment, comme c'est une plume qui a de l'identité, ça ne plaira pas à tout le monde. Clairement, je pense que certains lecteurs peuvent être complètement démunis face à une telle plume, parce que je pense que ça peut être égaré sur plusieurs aspects. Mais très honnêtement, je vous recommande de faire l'expérience. Pour avoir une opinion déjà sur cette plume, et parce que je trouve qu'il faut toujours encourager les auteurs qui, encore une fois, sont dans une démarche très créative, très en rupture avec ce qui nous est proposé partout. Voilà, là c'est pas quelque chose qui vous a été servi et resservi des milliers de fois. La construction des personnages comme la forme dans laquelle on vous amène l'histoire, tout ça c'est original en fait. Voilà, et juste pour ça, enfin, moi j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé merveilleux ce roman. Alors après, on a vraiment des thématiques très différentes. En gros, dans cette histoire, on suit Isadora et Tristan, qui ont tous les deux des existences très compliquées. Donc Tristan, il tente de se suicider à plusieurs reprises. Isadora, elle est très colérique, elle est très à fleur de peau, elle est très à vif en fait, sur absolument tout. Donc toutes ses émotions sont vécues avec une intensité qui est insoutenable. Il y a aussi des scènes qui sont extrêmement dérangeantes avec le beau-père d'Isadora. Donc le rapport qu'elle peut avoir avec son beau-père. Donc vraiment, il y a des choses qui sont difficilement soutenables, mais c'est abordé avec énormément de puissance et de poésie, et vraiment ce qui doit être dénoncé est dénoncé. Il y a vraiment un parti pris de l'autrice, il n'y a pas de crainte d'avoir une opinion de sa part, et ça c'est superbe aussi. Donc toutes ces choses font que dans nos cœurs, un incendie a vraiment une identité qui lui est propre, et j'espère véritablement que le nouveau roman d'Elodie Chan, qui est également paru chez les éditions Sarbacane, je vais vous mettre la photo ici, sera dans la même veine, parce que pour le coup, je pense qu'on manque d'ouvrages tels que celui-ci dans les rayons young adultes et dans les rayons adolescents. Moi je l'ai adoré ce livre, il fait partie de mes coups de cœur de cet été. Cet été également, j'ai terminé Le désert de l'amour de François Mauriac, même problématique que pour Dans nos cœurs un incendie. J'ignore si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je pense que ça vaut peut-être le coup de revenir dessus. Donc surtout que maintenant je peux l'aborder avec un recul un peu plus important. C'est un roman qui m'a un petit peu déroutée. Alors il faut savoir que ça avait déjà été le cas avec Thérèse Desqueyroux, que j'avais trouvé assez particulier, et puis il faut être honnête, le style de Mauriac, il est reconnaissable entre mille, mais il est aussi reconnaissable parce qu'il est très particulier et par moments assez exigeant. Si j'ai beaucoup apprécié le récit dans sa globalité, je suis plus mitigée concernant la fin. On est dans une histoire très particulière qui va mettre en scène un trio un petit peu pervers et assez complexe, je dirais. Dans ce roman, on va suivre Raymond Courrèges, qui est un adolescent qui va rencontrer Maria Cross, je crois. Oui, c'est ça. Et qui la retrouve en fait 17 ans plus tard, je crois, dans un bar à jazz. Et entre eux, comment dire, c'était tisser une relation un petit peu étrange 17 ans auparavant, en sachant que donc à cette époque, Raymond Courrèges était un adolescent. En parallèle de cela, son père, donc le père de Raymond Courrèges, qui se nomme donc, est-ce que je le retrouve? Non, je ne le retrouve pas. Donc son père était médecin et en gros il était l'équivalent du généraliste attitré de Maria Cross, qu'il suivait avec beaucoup de ferveur et de dévouement, puisqu'il voilà, il s'adonnait vraiment passionnément
aux soins de cette femme, en sachant que lui était marié également avec donc une épouse qui l'attendait à la maison et qui essayait très souvent de le comprendre, mais qui la plupart du temps était dans le faux. Donc voilà, on va avoir finalement cette espèce de relation un petit peu triangulaire, très étonnante, très déroutante et très dérangeante aussi. Et alors c'était super bien mené, je trouve, sur 80% du récit, mais je ne sais pas pourquoi la fin ne m'a pas tant plu que ça. Déjà, j'ai trouvé que la fin était nettement moins dans la psychologie que l'était tout le reste du récit, moins dans la subtilité aussi. On a l'amour de ce père qui finalement est beaucoup basé sur la cristallisation, et ça c'est quelque chose qu'on sent dès le début du récit, c'est-à-dire que cette femme... certes, il lui voue une passion un petit peu indicible et secrète, puisqu'il est marié et puisque cette femme est en ménage avec quelqu'un également, qu'elle est plus jeune que lui, mais les choses étaient faites de façon très subtile au départ. J'ai trouvé que la fin était peut-être un petit peu abrupte, même si, pour moi, la grande force de Mauriac, toujours, c'est d'aller au bout de ses personnages, d'être sans concession et de ne pas avoir peur de présenter des personnages qui nous deviennent antipathiques. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu un petit peu du mal avec Maria Cross, et le fait de finalement peu accrocher avec cette protagoniste a fait que mon intérêt pour l'ouvrage s'est peu à peu tari, et que ce qui faisait que j'y restais, c'était vraiment le lien qu'il pouvait y avoir donc entre ce père et ce fils, et lien qui venait donc de cette femme. Alors ça me semble un petit peu confus la façon dont j'aborde cet ouvrage, mais en même temps, si vous avez lu Thérèse Descayrou ou si vous avez lu Le désert de l'amour, je pense que vous comprendrez qu'il est compliqué de parler avec beaucoup de justesse, alors la justesse n'est pas le terme, mais avec beaucoup de rigueur, je dirais, de l'ouvrage, d'une part parce qu'il y a beaucoup de subtilités, encore une fois, et que je n'ai pas forcément envie de les mettre en avant et d'en parler ici, puisque je pense que ça fait partie aussi du plaisir de la découverte du roman. Mais en tout cas, moi pour ma part, j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai trouvé que c'était très surprenant et j'étais ravie de retrouver la plume de Mauriac, mais j'ai préféré Thérèse Descayrou parce que voilà, toute cette dimension un petit peu aussi, cette impression de retrouver Emma Bovary, alors dans des modalités complètement différentes, avec un caractère complètement différent, ça me ressemblait beaucoup plus que ce qui se passe dans Le désert de l'amour, même si j'ai trouvé vraiment la thématique très intéressante et que je vous encourage à lire ce roman parce que je le trouve très, très audacieux dans sa construction, très beau dans la façon dont il est écrit, parce que voilà, encore une fois, la plume de Mauriac, elle a quand même une identité qui est très forte et très marquée. Je trouve qu'une fois qu'on a lu Mauriac, on ne peut pas ne pas identifier sa plume dans un autre ouvrage lorsqu'on en croise un. Mais voilà, c'est pas mon préféré, même si j'ai passé un... Je suis désolée, la caméra coupée, je n'avais plus de place sur la carte mémoire. Je vous disais que donc malgré tout, je vous recommande la lecture de cet ouvrage parce que voilà, encore une fois, je pense qu'on ne sort pas tout à fait indemne d'une lecture de Mauriac, et ce titre-là n'échappe pas à la règle. La luminosité a peut-être changé, je suis désolée, le jour est en train de tomber. Je filme quand je peux, donc j'imagine que voilà, c'est pas forcément le plus agréable en matière d'éclairage, mais j'espère que ça ira quand même. Donc je poursuis avec Lily Ghost, le tome 1 de Devenez Spagnolo et Dani, donc Le miroir aux mille visages. Alors c'est une BD jeunesse publiée dans la toute nouvelle collection d'Albin Michel. Donc Albin Michel propose depuis, je crois que c'est ce printemps, donc printemps 2023, une collection de BD qui compte plusieurs titres. Donc vous avez notamment Cléo, donc c'est une sirène qui vit tout un tas d'aventures, on va dire type Totally Spice. On a une autre saga qui s'appelle Les Missions du Gru, qui met en scène des animaux qui sont disparus et qui enquêtent donc sur des mystères un petit peu particuliers. On a eu Beowulf, qui était incroyable, genre une BD avec un style graphique vraiment unique et avec un scénario que j'avais adoré. Et donc le tout nouveau en date qui paraît chez dans cette collection, c'est donc Lily Ghost, le miroir aux mille visages. Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté de la famille pirate, si vous êtes de la même génération que moi vous voyez de quoi je parle, parce que bon, alors déjà regardez le pirate sur la couverture, voilà, moi je trouve qu'il y a quand même un petit quelque chose.
Et aussi dans l'humour un petit peu déjanté que propose la BD, parce que là on est vraiment dans quelque chose de très humoristique, presque absurde parfois, puisque Lily a vraiment, est vraiment hors du commun. Bref, je vous raconte rapidement de quoi parle ce premier tome. En gros, nous on suit Jérémy, qui est le petit garçon qui est là, qui subit vraiment des déménagements multiples puisque ses parents achètent des hôtels qui ne sont plus fonctionnels ou tout du moins qui n'attirent plus de clientèle. Ils les rénovent, les remettent au goût du jour et les revendent. Donc Jérémy est contraint de voyager, voilà, au gré des achats de ses parents. Et malheureusement, il ne peut pas rester, voilà, proche de ses amis. Il est toujours contraint de repartir à zéro et de recréer ses liens d'amitié depuis le commencement. Jusqu'au jour où il arrive dans un manoir bien particulier que ses parents envisagent de promouvoir par le biais d'une séance photographique avec des modèles, etc., etc. Et il s'avère qu'un des modèles va perdre son visage en se regardant dans le miroir. Et Jérémy va essayer d'aider cette personne et va apparaître Lily Ghost, qui est donc cette petite fille qui est un fantôme et qui est complètement loufoque, qui a vraiment des remarques absurdes, qui ne comprend jamais que Jérémy se sente en danger dans des situations où elle finalement n'a pas peur. Donc c'est assez rocambolesque et drôle dans la construction puisque on est sur deux personnages qui s'entendent extrêmement bien mais qui en même temps n'ont pas du tout la même conception des choses. Donc c'est très mignon. On assiste à la création d'une amitié entre deux enfants, donc c'est également très touchant. C'est une BD qui s'adresse plus à un public jeune mais ça n'empêche que j'ai passé un bon moment. Maintenant je ne vais pas plus épiloguer sur le sujet parce que je ne saurais pas trop quoi rajouter et je trouverais ça dommage d'aller plus loin puisque je vous ai mentionné la plupart des thématiques abordées par l'ouvrage. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les planches, mais elles sont très colorées, très mignonnes et elles ont beaucoup d'identité aussi. Donc j'ai passé un bon moment de lecture, je suis impatiente de lire le tome 2. Pour l'instant, la collection BD de chez Albin Michel, j'avais eu un gros coup de cœur pour Beowulf que je trouvais formidable. J'étais plus sceptique concernant les autres tomes. Et enfin les autres séries. Et là, je suis contente parce qu'on a quelque chose qui est original aussi, qui ne plaira pas à tout le monde, c'est certain. À partir du moment où de toute façon ça sort des sentiers battus, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais avec moi, ça a marché. Voilà, c'était bon, c'est une lecture très jeunesse, encore une fois, mais ça fonctionne très très bien. Et j'ai passé un bon moment. Voilà. Je continue avec un ouvrage dont je vous ai parlé pour le coup en vlog, mais sur lequel je voulais revenir rapidement puisque j'ai un petit peu mûri mon opinion. Il est possible que cet avis soit donc nettement plus bref que les autres puisque j'ai déjà un petit peu épilogué et je vous ai déjà présenté le titre lors du dernier vlog sur la chaîne. Écrire de Marguerite Duras, qui n'est absolument pas ce à quoi on peut s'attendre. Je m'attendais personnellement à lire Marguerite Duras qui parle du processus d'écriture, ce qui est le cas, mais c'est de façon très morcelée, donc assez inattendue, et le style durassien, curieusement, se prête magnifiquement à cet exercice du morcellement des informations. Le problème, je trouve, c'est que qu'on ne va pas aborder que cette question de l'écriture. Alors, c'est un problème dans une moindre mesure, je trouve, parce que personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Mais j'entendrais tout à fait que quelqu'un qui se procure cet ouvrage avec la volonté d'entendre Marguerite Duras qui parle d'écrire, puisque vraiment écouter Duras parler d'écrire, c'est formidable comme expérience, puisse être un petit peu dérouté à la lecture de cet ouvrage, puisque ce n'est pas ce qui est au centre. On est encore dans quelque chose de très 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 autobiographique, on est dans un dialogue interne, on est dans la narration de petits faits. Pour le coup, je trouve que ça ressemble pas mal à... Alors, je parle simplement de la forme, hein, pas du tout du style et pas de la démarche non plus, mais ça m'a fait penser un petit peu dans la construction à Hôtel Casanova de Annie Ernaux. C'est-à-dire qu'on est plus sur des fragments, comme si Marguerite Duras s'était laissée ici la liberté d'écrire ce qu'elle voulait écrire de la façon dont elle le souhaitait. C'est-à-dire qu'elle rapporte également des conversations, c'est très très varié finalement. Et c'était super bien.
Vraiment. Après, bon, jusqu'ici, je n'ai jamais été déçue par Marguerite Duras. Je pense que je peux dire aujourd'hui, sans prendre de grands risques, qu'il s'agit d'une de mes autrices fétiches, au sens où je ne me vois plus sans ses ouvrages dans ma bibliothèque et sans pouvoir consulter certains des titres. Et pourtant, ce n'était pas forcément gagné, puisque lors de ma découverte de L'Amant, que j'ai découvert très tardivement dans ma vie de lectrice, puisque je l'ai découvert l'année de mon CAPES, donc c'est le premier roman que j'ai lu dans. Alors, je m'étais amusée à lire tout le Moyen-Âge avant ça, alors que ce n'était même pas au CAPES. Mais bon, j'avais dit, je vais lire vraiment un ouvrage référence de chaque époque littéraire. Alors, bien que je lisais déjà énormément de classiques, mais c'est vrai que Duras était complètement absente de mon domaine de connaissances. En tant que lectrice, et j'ai voulu commencer par L'Amant, évidemment, puisque c'était L'Amant, quoi. C'est le Goncourt, c'est Duras. La plupart des personnes qui vous parleront de Duras et qui connaissent Duras seulement en surface vous parleront de L'Amant. Je pense que L'Amant mériterait le relecture. J'avais passé un très très bon moment, hein, je dis pas le contraire, mais j'étais restée un petit peu sceptique face à la rudesse de la plume de Marguerite Duras, alors qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que je l'aime autant. C'est vraiment ce qui fait que chaque fois que j'ouvre un de ses ouvrages, je me dis, mais quel talent, quelle force, quelle capacité à transmettre des émotions souvent très négatives en plus. Par l'économie des mots ou simplement par l'atmosphère. Enfin, vraiment, c'est formidable. Bref, lisez Marguerite Duras, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je voulais juste revenir sur ce titre-là, au cas où vous n'auriez pas suivi le vlog dans son intégralité et vous auriez raté éventuellement ma petite opinion sur écrire. Mais lisez Marguerite Duras, lisez n'importe lequel, de toute façon, ce sera. Bah, je vous le souhaite en tout cas, une rencontre. Très forte. Je termine cette update avec Lettre à un ami allemand d'Albert Camus. Même problème, je crois que je vous en ai parlé brièvement dans le dernier vlog, mais je n'en suis pas certaine, donc je préfère revenir dessus. Donc on est sur un ensemble de 4 lettres qui sont des lettres fictives que Camus écrit à un homme, donc un officier allemand, qu'il aurait potentiellement pu rencontrer dans un bar et avec lequel il aurait pu échanger sur son idéologie. Et donc on va avoir ici bien évidemment une défense des droits de l'homme. On va aussi avoir une opposition franche au régime nazi, évidemment, et donc retrouver l'engagement politique de Camus dans toute sa force, dans toute sa pureté. Camus se donne vraiment le droit, alors de façon extrêmement brève, hein, puisque comme vous pouvez le voir, c'est écrit extrêmement gros et le texte fait seulement 78 pages. Camus se donne le droit vraiment d'exposer ses revendications politiques et son opposition au régime nazi. C'est déjà la doctrine qu'on pourra retrouver, je trouve, dans ses autres titres. En fait, c'est vraiment l'engagement de Camus en petit format. Voilà, pour le dire de façon très vulgaire. Donc si vous souhaitez découvrir un petit peu la pensée de Camus d'un point de vue politique, idéologique et philosophique sur bien des aspects, ben, en 75 pages, il y parvient à le faire de façon simple, de façon concise et de façon accessible aussi, parce que c'est souvent ce qui est reproché à Camus, puisque l'étranger, même si la plume est accessible, le message de fond l'est nettement moins, puisque le concept même de l'absurde est quelque chose de difficile à appréhender. Je pense notamment à La Chute, qui est finalement très conceptuel et qui est très demandant d'un point de vue intellectuel au moment de la lecture, puisqu'il exige de sortir de ce qui est raconté pour concevoir ce qui est pointé du doigt dans sa globalité et tout ce que ça peut engendrer et dire sur le personnage. Donc voilà, Camus est quand même dans l'ensemble assez exigeant, je trouve. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus accessible que je vous recommande, donc si vous n'avez jamais lu Camus. Ce qui est bien aussi avec cet ouvrage, c'est qu'on a toute la dimension. Donc effectivement, la philosophie de Camus se base sur cette idée de l'absurde. C'est quelque chose qui est notamment très bien expliqué dans Le mythe de Sisyphe. Pour ceux qui souhaitent se plonger dans la philosophie de Camus de façon un petit peu plus théorique, je dirais. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà l'idée de la révolte dans ce récit. On palpe l'absurde parce que je pense vraiment que la cruauté humaine, ici, elle est tellement incomprise qu'elle est un espèce de miroir de l'absurde.
de la condition humaine. Et alors, c'est pas dit de cette façon-là, hein. Là, c'est vraiment de l'extrapolation, mais moi, je le vois un petit peu de cette façon-là. Il y a tellement de cruauté et d'hommes qui soutiennent cette cruauté que Camus regarde ça de façon vraiment, enfin, avec une incompréhension qui est si grande qu'elle s'apparenterait à l'émergence du sentiment de l'absurde ou du pressentiment de l'absurde. Et finalement, on a déjà cette posture de l'homme qui va se placer en rébellion et en révolte face à l'absurdité de la violence. Puisque Camus va donc embrasser la position du révolutionnaire et du réactionnaire, en tout cas face à la situation. Et voilà, je trouve qu'il y a un petit peu cet écho entre donc la philosophie de Camus qui veut que certes le monde est absurde, mais que la bonne posture face au monde absurde, c'est toujours cette révolte de l'homme et la révolte de Camus ici, face à cet officier nazi fictif qui incarne donc de même la violence absurde. J'espère que j'ai été suffisamment claire et concise pour que mes propos soient cohérents et compréhensifs. Mais en gros, ça m'a donné cette impression-là. Donc en ça, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir Camus. Alors c'est sûr que si on le lit seulement comme un recueil de lettres, c'est très bref. Et d'un point de vue littéraire, même si c'est bien écrit, c'est finalement pas l'ouvrage qui va être le plus riche en termes de critique politique ou même d'apport historique, mais c'est très intéressant d'un point de vue philosophique en fait. Et je trouve, je suis toujours surprise par le fait que Camus arrive à prendre sa philosophie et à l'amener dans l'univers littéraire, et je trouve qu'il participe vraiment à faire une chose qui est malheureusement aujourd'hui, qui n'est pas faite, clairement pas, par les auteurs actuels, qui est qu'en fait, il ramène véritablement la philosophie dans la littérature. Et je trouve que donc, lorsqu'on étudie un texte littéraire aujourd'hui, on peut se permettre de poser un regard plus. Un regard qui se sert d'outils philosophiques simplement, qui dépasse donc les questions peut-être. Plus classique. Moi, je sais que quand je faisais des études de lettres, ce qui me posait beaucoup de problèmes, c'était tous ces pans de la recherche littéraire qui partaient beaucoup sur je sais pas, par exemple Roland Barthes qui parlait systématiquement de cet effacement complet de l'auteur au profit de son œuvre, bref, des choses auxquelles moi je ne crois absolument pas, qui sont des théories qui sont beaucoup trop extrême pour être représentatif de ce qui est véritablement pour moi la production littéraire pour un auteur. Je trouve ça extrêmement dur d'ailleurs de dire qu'un bon livre, c'est un livre dans lequel on ne voit pas l'auteur, même si paradoxalement je suis un petit peu triste de dire cela parce que c'est ce qu'a véritablement tenté de faire Flaubert dans Madame Bovary, hein. Mais en même temps, lorsqu'on lit les correspondances de Flaubert, on est conscient du fait qu'il est conscient qu'il a forcément des proximités avec ses personnages. Bref. Tout ça pour dire que Camus, il permet d'apporter un nouvel arc, des nouvelles armes pour la compréhension des textes littéraires, je trouve. Là, je parle d'une question d'un point de vue universitaire. Je sais qu'à l'université, quand j'étais en philosophie, c'était très contesté de dire que Camus était un philosophe, chose qui me choquait énormément. Il y avait vraiment une forme d'élitisme qui était très désagréable, puisque Sartre, pour le coup, était véritablement conçu comme un philosophe, mais que par exemple la Nausée ne pouvait pas rentrer dans ce cercle bien fermé de la production philosophique. Alors que, paradoxalement, alors en ce qui concerne Camus, et c'est un petit peu vrai concernant Sartre, puisque la nausée c'est vraiment la mise en image et la mise en roman de la confrontation à l'absurde, et tout le travail de Camus c'est ça. Tout le travail de Camus c'est de créer des œuvres littéraires qui mettent en scène l'absurde pour qu'il soit palpable pour le lecteur. Et non pas simplement à l'état de concept un petit peu intangible, incompréhensible et toujours abordé dans des termes incompréhensibles, voilà, pour le plus grand nombre. Donc je trouve que c'était vraiment, ça aurait pu être très intéressant d'étudier Camus sous le prisme de la philosophie, parce que Camus fait de la philosophie. Et bref, je me suis égarée, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en gros, Camus, c'est une très bonne initiation à la philosophie aussi, puisque c'est par le biais de la littérature qu'il arrive à exposer
une théorie qui est une théorie de la connaissance, une théorie de la compréhension du monde, du sens aussi, alors de l'absence de sens pour le coup. Mais voilà, toutes ces choses-là sont extrêmement riches et c'est très bien fait chez Camus. Et j'arrête de faire du blabla. J'espère que cet update vous a plu, que ce n'était pas trop long. Si vous avez lu certains de ces titres, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je serai ravie de les voir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.